Matador. DJ Matador, le mix, oui, celui qui assure la technique de l'émission. Il faut que ça change. Moi, il y a une partie. Ça doit changer. Donnez le cachet de Matador, s'il vous plaît. Celui qui a caché, c'est caché lui-même. Alors, Nono Flavie, il y a une partie de cette chanson-là qui moi, m'intrigue personnellement. C'est qu'il y a quelqu'un qui ne chante plus, qui ne fait plus des albums et qui aujourd'hui a ouvert la clinique. Est-ce qu'il y a quelqu'un de showbiz camerounais qui est désormais médecin, qui traite le fou? Je sais pas. Bonjour les enfants. C'est le papa. Mais de quel clinique on parle? Ah, je sais même. C'est vraiment venu comme bon, ça. Pas, c'est, des gens. Mais c'est une grosse dédicace que j'ai voulu faire au général. Bon, rassurons-nous qu'il n'y a pas les autorités qui écoutent parce qu'après, on peut nous embarquer. Kosovo. Non, c'est pour ça que je parlais de l'humour en fait. Exactement. Ouais. C'est pour ça que je parlais de l'humour. C'est, effectivement. En passant, j'aurais pu. Oui. Donc, rien de. C'était pas méchant, c'est juste un big up. Big up général Valsero. C'est ma façon à moi de saluer peut-être le travail de dénonciation qu'il fait. Non, pas forcément dans ce sens. C'est un artiste. il faut éviter de dire qu'on encourage le travail de dénonciation. Non, pas forcément. En ce qui me concerne, c'est-à-dire que j'ai voulu lui faire un big up, comme j'ai parlé de la solidarité. Oui, en tant que. Est-ce que Valsero, il ne chante pas? Il continue de chanter. Oui, il continue. Donc, comme il aime, c'est un peu plus rare. On a beaucoup plus ses vidéos, ils sont légers. Il est beaucoup plus un psychologue qu'artiste musicien. C'est une façon de chanter aussi qui se voit. C'est de l'art. Il chante en enseignant, voilà. Pas mauvais. C'est quand même un gros big up à Valsero qui fait un énorme travail de dénonciation sur les réseaux sociaux. Maintenant, s'il y a les autorités qui nous écoutent, je n'encourage pas la dénonciation de ce gars. Il doit se taire, il doit arrêter de tirer sur le gouvernement. Ce qu'il fait n'est pas bien. Voilà. Maintenant. C'est pareil, le mot là que tu vas avec. Revenons dans le ministère. C'est pas parce qu'il ne fait. Tu vas dire ça comme ça. Il faut un début à tout. Commencer par là. Oui, voilà. Parfois, tu peux dire que c'est de l'humour. Pourtant, tu es sérieux. Alors, dis à Saint, ton mon travail m'intrigue un peu parce que on vous appelle très souvent les zibos. Non, pas les zibos. Parce que les hibous, ça veut dire autre chose au Cameroun. Les hibous. Voilà. Vous dormez en journée et la nuit, vous êtes éveillé. Toi, tu fais comment pour te retrouver dans ce monde-là? C'est d'abord par la passion. Ouais. Un jour, je rentre en classe, il y avait toujours une discothèque à côté de la maison. Ouais. Et à chaque fois, quand je m'accrais, il m'embrouillait les oreilles chaque nuit. C'était l'embrouille. Ouais, c'était l'embrouille. À un moment donné, je faisais un peu. D'accord. Tu voulais aller à la discothèque. Les gars mettaient le son à fond, la basse à fond. Mm-hmm. Il y avait du vrai matos en ce moment, parce que ce n'est plus comme avant où c'était vraiment du vrai matos. Mm-hmm. Ça vibrait à la maison. À chaque fois, je me disais, mais tu fais comment pour agencer deux sons de la même façon, voilà. Sache que je parlais à ce que l'autre. Et la mère dit, voilà, ferme ton cahier, vraiment, c'est comment? Ferme ton cahier, tu pars te coucher, parce que moi je faisais un semblant. Ouais, genre, d'étudier. Ouais. C'est où un jour je rentre des classes, donc je dépose mon sac et je m'en vais un peu rester à la discothèque. Il est sorti, il se pourrait y avoir eu un problème. Mm. Et c'est comme ça qu'il déteste dans la musique. Il départ, tout ça, tout le matériel. Et comme ça, de suite, je trouve que la musique s'est arrêtée, brusquement. Les gens demandent, mais il est où? Le Didier. Et autres. Pour premier instinct. Ma première fois, quand pas magie, quand ton nom. Je retrouve devant l'appareil, et là, mon cœur dit appuie ce bouton. Appuie. Ça, avec tout le courage du monde. Il a suivi la nature. Non, c'est pas. Ok, oui, tu as appuyé sur le bouton. Oui. Et ça, je l'ai Et du coup, il y a un monsieur qui vient me dire le son que tu as joué, je veux. Non, il faut copier. Pour vous dire, ouais, j'étais calé. À
en même temps, je me suis passé pour le gars. Oui. J'ai joué à la star, tu sais, avec toute l'ignorance d'enfantin que tu as. Et enfant que tu es, il fallait que j'essaie de convaincre le monsieur aussi de rester. C'est comme ça, je ne sais pas comment je fais pour l'appeler. Il me dit, tu coupes le son, j'ai une des acquis, tout et autres. Dès que le monsieur revient après que le monsieur repart, il dit, j'arrive. Je revois après, le monsieur revient, il dit, comment tu as fait pour jouer d'abord la musique? Parce que je sais que ça voulait s'arrêter. Le vrai DJ. Le vrai DJ. Oui, parce que toi, tu étais. Regarde, on se regarde. Tu as tout le courage. Qu'est-ce que tu as dans ma cabine? Appuyez sur le bouton, oui. Ils ont ce qu'on t'a même demandé de faire un téléchargement. Et tu sais que tu étais sur le point de faire le téléchargement sur mon appareil, comment? Sinon, là, ils ont voulu me créer des problèmes, genre. Je veux te menacer, voilà, je sais pas ce que tu as me créé sur l'appareil, tout ça est autre des problèmes. Et depuis ce jour-là, vous dites vrai, j'ai voulu arrêter. Parce que j'avais peur de toucher la chose des gens. Mais j'ai pas arrêté d'aimer la musique. Parce que toujours, chaque jour, il était toujours avec moi dans la musique. Et je suivais toujours sans me torturer à chaque fois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à sortir. Je voulais lui montrer que j'ai grandi. Et pour le montrer que j'ai grandi, tous les dimanches, je lui ai demandé un seul jour, je voudrais que tous les week-ends, tu m'apprennes à mixer. Ouais. Et là par là, je vais peut-être essayer de me réparer les erreurs que j'ai eues. À commettre. Et c'est comme ça que tu deviens DJ. Et puis démontrer quelques petites touches. Les funérailles passées, les mariages, je portais les bâches. Les anniversaires. Comme au début. Oui, comme au début. J'ai porté les baffes, je sens mixer, je le regardais mixer toute une soirée. Un peu comme Samir, elle arrêtait les aiguilles, on cousait. Exactement. Voilà. On passe par là, on a porté les caméras. Tout à l'heure, tu as parlé de hibou. Voilà. Oui. Je voudrais dire que c'est pas tous les DJ qui dorment dehors tous les jours. Ok. Déjà. Être DJ, parce que ici, on a d'autres perceptions de ce métier. On dit toujours DJ en l'écran. Quand on dit DJ, on dit snack. On voit snack bar. On dit DJ, on dit délinquant. On parle de délinquant. On dit même qu'il ne se marie pas. Je tiens à vous dire que normalement, une musique, on doit faire de la promotion d'une musique. Oui. Avant la sortie de la musique, souvent on nous appelle et DJ. À suivre cette musique, d'abord, avoir donner notre avis sur la musique. Est-ce que les consommateurs, surtout parce que beaucoup de consommateurs viennent de snacks, de nos endroits publics et autres, de lieux de divertissement, de cette lieu de divertissement. Comme la musique de la maman, j'ai eu à jouer beaucoup de ces sons, mais je n'ai pas encore vu une personne dire que le son que tu as mis à l'œuvre, ça veut dire que. Il y a la musique et les gens. Sa musique passe partout. Tu me le sens pas parce qu'elle est là. Oui, sa musique passe partout. Tout seul. Je suis d'accord. Passe partout. Si on remet là, je vais encore danser. Voilà. Super. Donc, je ne vais pas caler sur ma personnalité. Je vais juste te dire qu'il faudrait qu'on essaie d'avoir une autre perception du DJ. On a David Guetta qui est un DJ. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y a un DJ producteur. Voilà, beatmaker, oui. DJ KC et plein d'autres. Tamsi. Tamsi. Donc Platinum, qui est mon frère, que je vais faire un big up actuellement. Platinum DJ, voilà, qui lui aussi est producteur. Là, il a produit. Et on a les papas, le grand-père Saint-Fan Thomas qui sont des. C'est vrai que comme ils sont de l'époque d'avant, vous ne les appelez pas DJ ou beatmaker. Vous les donnez d'autres noms. Voilà, les amis, nous avons Nono Flavie. Et on a la main avant de partir, s'il vous plaît. Il y a un auditeur qui a dit qu'il veut ce plaisir-là, Marie Cavaleur. Qu'il veut la cappella de Marie Cavaleur. Is it possible? Mon anglais, je suis un mononglophone. Quand je parle l'anglais comme ça, Babana, il est perdu. You know, English is a second language in my country. You know? Imagine, pardon. Alors, Mr. DJ Matador, on va l'accompagner. Marie Cavaleur. A cappella sur la radio. Live concert, non? Yeah, live concert. Si tu veux sans lendemain, laisse-moi tranquille. Oh, si tu veux seulement t'amuser, va à l'Élysée à Deido. Tu trouveras une nana qui conviendra à ton porte-monnaie.
Maman, oh, je veux du sérieux. Moi aussi. Elle s'appelle Nono Flavie, les amis, elle était avec nous, on applaudit. Nono Flavie, il faut que ça change. Merci.